Salut tout le monde, j'espère que votre dimanche a super bien commencé. Alors comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler vacances. Et je suis trop contente parce que comme je vous le disais dans la vidéo Haul Primark avec mes copines, si vous ne l'avez pas vu, je le mettrai en barre d'infos. On a réservé notre big voyage de l'année 2019 et ça fait genre 2-3 ans qu'on parle de faire ce voyage ensemble. Donc là, ça y est, c'est réservé, on part le 29 mai et je suis trop excitée. Alors je vous avais déjà mentionné ce voyage, mais là je laisse un petit suspense, j'ai pas encore envie de vous dire où on va. Mais si vous pensez savoir où je vais, que vous avez déjà entendu que j'en parlais dans les vidéos d'avant, dites-moi ça en commentaire. Et du coup ça va être un voyage pas très reposant, donc on a réservé un petit voyage avec ma maman aussi pour partir à Agadir. Ici à la fin du mois, donc on part le 26 avril, encore une fois je suis trop excitée, je vais sur la plage, je vais bronzer, je vais dormir, oh oui dormir, bref. Du coup quand la marque Monsieur Wonderful m'a contactée, j'étais vraiment aux anges parce qu'ils voulaient me présenter leur collection voyage et me permettre de choisir quelques articles et je me suis dit ça tombe à point, surtout que pour le voyage qu'on fait donc au mois de mai, fin mai début juin, j'avais besoin de quelques trucs que j'ai trouvé chez Monsieur Wonderful et c'est une marque que je connais via Mary parce qu'elle l'adore. Effectivement c'est juste le top du top, donc on va faire le unboxing tout de suite. On va commencer par ça. J'ai ce petit carton ici qui est juste trop beau. Il faut que je vous montre cette boîte. Il y a plein de petits messages sur la boîte, donc en plein de langues différentes. Donc awesome, oh my god, on a d'espagnol parce que c'est une marque qui est espagnole. Donc abreme despacito ansias, je ne sais pas ce que... Donc abrémé c'est ouvrir tout doucement, mais ansia je ne sais pas ce que ça veut dire. 1, 2, 3 me voilà, enfin j'avais hâte d'arriver. Carrefour, be careful I'm delicate, enfin, la boîte est trop belle et des deux côtés. Franchement j'ai trop envie de garder la boîte en fait parce que je la trouve trop mignonne. Je vous montre le contenu du coup. Alors on va commencer par ce carnet que je trouve juste vraiment canon. En gros c'est un carnet de voyage, donc il est noté cet endroit est idéal pour se perdre. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a déjà les indices sur mon voyage. Donc voilà, vous avez ici, vous pouvez noter votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse email au cas où si vous perdez le cahier. Après vous avez des citations dedans, une petite carte pour dire où vous avez été, un petit lexique de mots dans différentes langues. Puis bon, je passe les premières pages. Et après, en fait, c'est un espèce de bullet journal où vous avez des petites boulettes et vous pouvez noter un petit peu la destination, ce que vous voulez faire, etc. etc. Enfin, je trouve ça vraiment hyper pratique. Du coup, j'ai déjà commencé à le remplir avec les endroits où on va et là où je veux m'arrêter. Et vous allez voir, tout ce que j'ai pris, c'est vraiment des trucs trop utiles pour voyager en fait. Le deuxième truc que j'ai pris, c'est cette batterie externe de 4000 ampères, enfin je sais pas, en gros c'était la plus puissante qu'ils avaient, du coup elle est un petit peu grande, mais moi je voulais vraiment une puissante parce que si je veux recharger mon iPad, que je veux recharger mon iPhone ou on peut même recharger son appareil photo parce que mon appareil photo il est rechargeable via un câble USB, donc je voulais absolument prendre le truc le plus puissant qu'ils avaient. Regardez-moi ça, si le packaging n'est pas trop mignon, ma batterie a de quoi tenir. Je trouve ça trop chou, il est en train de faire du sport et tout. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai aussi pris donc ce petit set qui sera trop joli sur ma valise. Donc, on a le set avec le tag. Comment je peux dire ça en français? J'ai jamais les mots quand je dois parler français, moi. On a une étiquette de bagage qui est juste ici et sur laquelle bah, je vais pouvoir mettre toutes mes informations parce que voilà, moi, ma hantise quand je pars en vacances, c'est que je perds ma valise, que j'arrive sur place et que j'ai rien à me mettre et que la valise arrive genre 3 jours plus tard ou une semaine plus tard. Bref, donc j'ai cette étiquette de bagage, voilà. Et ça en fait c'est un porte-passeport. Il est vraiment trop beau, enfin j'adore les packagings comme ça avec la petite planète dessus. Et hello world, here we go. Et donc là, bah, vous mettez tout simplement votre passeport. Et là vous mettez vos petites cartes et votre billet d'avion. J'adore ce genre de truc, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit set qui est juste canon. Voilà. Les packagings de Mr. Wonderful, ils sont juste trop beaux. Et là, le packaging collection vacances est turquoise. Donc tout est turquoise. Forcément, j'adore. Il y avait plein de trucs roses aussi. Enfin, c'est des couleurs pastel hyper cute. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Mais attendez, parce que c'est pas tout. J'ai un petit truc à vous annoncer. Je finis de vous montrer ça et puis je vous raconte. Alors, j'ai aussi pris ce set avec deux trousses de voyage.
Donc là on dirait qu'il n'y en a qu'une, mais en fait il y a deux trous dedans et le but c'est d'en utiliser, de les séparer et de les utiliser à part. Donc on a la petite trousse à nouveau avec la map monde et j'aime beaucoup trop cet imprimé, je trouve ça tellement joli. Et la petite trousse ici, Aventure is the best makeup. Donc voilà, j'ai une trousse pour mon make-up, une trousse pour mes produits et si je pars pas si loin, si j'ai vraiment besoin que d'une petite trousse, je peux l'utiliser en mode 2 en 1. C'est très joli aussi comme ça, je trouve. Enfin, je la trouvais trop belle. Je crois que j'ai déjà dit jolie, belle au moins 20 fois. On va certainement faire des randonnées, donc je voulais absolument avoir une bouteille d'eau portable. Et puis même où on va, l'eau, elle sera potable, donc pour prendre de l'eau régulièrement. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui boit beaucoup. Voilà, ça vous saurez tout. Bah, je trouve ça hyper pratique. Et encore une fois, elle est turquoise et les packaging sont juste canon. J'aime trop. Donc voilà pour ma petite commande Mr. Wonderful et il y a vraiment des trucs trop beaux sur le site. Et ça tombe bien parce que la marque m'a proposé deux choses. La première c'est de vous fournir un petit code promo. Donc je vous mettrai le code promo juste ici et aussi en barre d'infos. Comme ça si vous aimez vraiment bien des trucs que j'ai commandé ou vous voyez quelque chose sur le site, bah vous avez une promotion. Mais c'est pas tout, la marque m'a aussi proposé de vous offrir un petit concours. Donc je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner un produit. Et en fait tout simplement bah vous allez sur le site Mr. Wonderful et vous choisissez le produit qui vous plaît le plus. Et vous pourrez commander ce produit. Voilà, c'est cool, vous pouvez choisir n'importe quoi sur le site. Et pour participer au concours, donc je vous mettrai toutes les conditions en barre d'infos. Et voilà, donc si vous voulez tenter de gagner un produit sur le site Mr. Wonderful, toutes les informations sont en barre d'infos. Tirez l'une d'entre vous au sort qui pourra choisir le produit de son choix. Voilà, donc c'est tout pour Mr. Wonderful. Mais j'ai encore un autre petit colis à unboxer, à ouvrir. C'est un colis que j'ai reçu dans mes partenaires qui est L'Oréal slash Garnier. Parce qu'ici c'est des produits Garnier. Et en fait, j'aurais tout simplement dit que je partais en vacances. Et la représentante qui s'appelle Astrid. Astrid, si tu passes par ici, coucou et merci. M'a super gentiment proposé de m'envoyer des crèmes solaires. Donc voilà, vraiment un grand merci. Grâce à toi, je ne me cramerai pas la peau ni à Agadir ni dans mon prochain voyage. Et je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Je lui avais dit que j'avais beaucoup aimé le spray protecteur transparent de chez Garnier. Ça, je l'ai utilisé l'année passée, tout l'été. Je pense que le mien, c'était un SPF 20, je sais plus trop. Là, elle m'a envoyé le SPF 30. Et j'aime bien parce qu'en fait, c'est un fini plutôt léger, légèrement huileux. Ça, c'est à savoir quand même parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils disent que c'est un spray. Mais c'est un petit peu huileux, mais du coup, ça hydrate bien la peau. Et ça absorbe assez rapidement, donc voilà. Et ça protège vraiment très bien. Fini satiné, effectivement comme c'est un petit peu huileux, ça laisse la peau un peu brillante. Léger et rafraîchissant à l'aloe vera. Si vous connaissez un petit peu tout ce qui est peau et tout, vous savez que l'aloe vera c'est super bien quand la peau est agressée. C'est hyper conseillé quand vous avez des coups de soleil. Donc là, c'est bien, ça va hydrater ma peau et je suis trop contente du coup d'avoir ce petit... cette ambre solaire de chez Garnier. Alors ensuite elle m'a aussi envoyé... UV Water, donc une eau, une brume rafraîchissante protectrice. Apparemment ça c'est nouveau parce qu'il est marqué New dessus et effectivement je n'ai jamais vu ce truc auparavant. Donc ils disent qu'il y a moyen de l'appliquer à 360 degrés. Donc, voilà, je peux y aller dans tous les sens. Et c'est marrant l'applicateur, vous avez vu? Bref, je trouve ça trop fort. Visage et corps, bien secoué. Protection photostable. Résiste à l'eau, UVA et UVB, léger et rafraîchissant, toujours avec de l'aloe vera. J'ai hâte de tester ça. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de le tester. Je vous dirai ce que j'en pense quand je reviens de vacances pour le coup. Et elle m'a mis aussi une énorme bouteille d'après soleil, donc du lait hydratant apaisant. Toujours à l'aloe vera, apaise la peau, hydratation jusqu'à 24 heures, non gras et testé. Dermatologiquement, là c'est le format maxi. Là c'est sûr que j'aurai la peau bien hydratée, mais ça tombe bien parce que comme je pars avec ma maman et une amie, comme ça elles pourront tester aussi. Donc voilà pour ce petit colis et je finis cette vidéo en vous montrant 4 petites nouveautés, donc toujours solaire. Là j'ai plus la boîte parce que c'est arrivé dans un très grand sac et que ça prenait trop de place, j'ai tout rangé, j'ai tout jeté, mais bon je voulais quand même vous le montrer parce qu'il y a des trucs vraiment sympas. Donc j'ai un lait solaire, donc tout type de peau et peau très sensible au soleil. Donc voilà, si vous êtes sensible au soleil, que vous avez tendance à réagir, donc c'est soigne hydrate, non gras, résistant à l'eau, panthénol et vitamine E. Donc la vitamine E c'est hyper bon pour la peau, pour garder l'élasticité de la peau, et c'est de la marque Louis Winmer. Et j'ai aussi reçu donc
un après-soleil. Donc ils disent pas si c'est du lait ou de la crème. Non, ils ne précisent pas. Donc à nouveau à l'aloe vera. Comme je l'ai dit, à l'aloe vera et le soleil, c'est des trucs complémentaires. Biostimulateur et vitamines, rafraîchit et hydrate, sans émulsifiant, apaise, soigne tout type de peau. Je vais l'ouvrir celui-là pour vous montrer ce que ça donne. Regardez-moi le packaging, c'est trop mignon, on dirait un truc pour bébé. Vous voyez, une crème pour bébé comme ça. Trop chou. Pour le coup, à Agadir, je pense que j'ai plutôt emmené la Garnier parce que comme je dis, voilà, on est trois. Donc là, la bouteille, elle est quand même plutôt petite pour trois personnes. Avec l'autre, je pense que là, pour trois personnes, ça va, il n'y a pas de souci, on peut généreusement se couvrir d'après-soleil. Alors un truc que j'adore et qui est hyper important, surtout quand on a les cheveux blonds décolorés comme moi, c'est protéger les cheveux du soleil. Voilà, quand vous êtes au soleil, c'est bien de mettre un spray. Et là j'ai reçu un spray SPF, c'est KPF, je sais pas ce que ça veut dire KPF. Donc c'est un spray rituel solaire fluide d'été protecteur cheveux exposés au soleil, donc effet naturel. Donc voilà, c'est tout simplement un petit spray que vous mettez sur votre cheveu, sur vos cheveux, pour qu'ils ne soient pas abîmés ni par le soleil, ni par la mer, ni par l'eau de la piscine, parce que c'est hyper agressif pour les cheveux. Et surtout, bah ouais, quand vous avez les cheveux décolorés, comme ça, ils ont tendance à être vite secs, vite abîmés. Donc moi, ce genre de truc, je suis pour. Et voilà, donc là, je vous montre de plus près. J'ai l'habitude d'utiliser la marque L'Oréal Professionnelle, donc c'est aussi un petit spray jaune, qui sont juste trop bons. Celui-ci j'ai jamais testé, mais j'ai entendu beaucoup de bien pour les cheveux fins, abîmés, etc. comme moi, de la marque Furterer Paris, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Et enfin, le petit dernier, c'est un soin très haute protection, embellisseur de teint, peau sensible. Donc là je vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai pas envie qu'elle périme trop vite, mais en gros c'est une crème solaire pour le visage slash bébé crème, parce que c'est une crème teintée en fait. Donc quand vous le mettez, ça lisse la peau, ça remet le... Bah, ça fait comme une bébé crème, sauf que c'est une très haute protection pour le soleil. Donc, c'est vraiment cool, j'ai trop hâte de tester ça. Et le format, on en parle, c'est hyper pratique, franchement, dans le sac, il n'en faut pas plus. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. C'est la première fois que je vous fais un unboxing, que je vous montre des colis que j'ai reçus. Donc je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez et si ça vous intéresse que je vous fasse une fois par mois un unboxing pour vous montrer toutes les nouveautés que je reçois. Donc voilà, j'attends vos commentaires. J'attends aussi vos commentaires pour le concours du coup. Et ben bonne chance à tous. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.